Ça, c'est Minecraft, les amis. Et aujourd'hui, j'ai ajouté des sprints custom. Vous allez voir, ça va être juste incroyable. Et bah écoutez, j'espère que la vidéo va vous plaire. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Je vous rappelle, objectif 100 000 abonnés avant le début de l'été. Donc ça veut dire début juin. Donc je compte sur vous pour qu'il y ait une pluie d'abonnements. Allez, let's go, c'est parti. Et n'oubliez pas, bien sûr, d'activer la cloche pour être au courant de toutes mes vidéos en temps réel. Voilà. N'hésitez pas aussi à rester jusqu'au bout de la vidéo parce que c'est la meilleure façon de soutenir ma chaîne. Mais vous pouvez pas savoir comment. Et n'hésitez pas aussi à lâcher votre meilleur pouce bleu et meilleur commentaire. Ok, ok, les amis, allez, let's go, c'est parti. Aujourd'hui, j'ai installé un mode où j'ai des sprints custom. Vous allez voir, ça va être juste incroyable. Et bah écoutez, là, je vais juste récupérer du bois et on va récupérer tous les items nécessaires pour faire tous ces sprints. Ok, c'est parfait, j'ai fait une table de craft. Et bah là, les amis, on va faire une pioche, on va faire une belle petite épée, bien évidemment. Alors, attendez, hop, là, je vais juste... Ah, bah, il y a de la pierre. Écoutez, on va aller chercher déjà de la pierre, comme ça, au moins, ça sera fait. On aura des outils en pierre. Ok, c'est bon, c'est parfait, on a récupéré plein de pierres. Et bah écoutez, je pense que 17, ça sera suffisant pour faire tous les outils et même quelques petits fours. Et puis bah écoutez, on y retourne et on fait les outils. Alors, on va se faire une belle petite épée en pierre. On va se faire une belle petite pioche en pierre, voilà. Et puis bah écoutez, là on est paré, hein. On est paré, les amis, pour déglinguer des mobs. Ça va être juste trop cool. Et bah écoutez, on va commencer par des poulets, ça serait bien de trouver des poulets. Ah bah c'est parfait, regarde-moi ça. What? Oh, c'est quoi cette dinguerie? What? Eh mais c'est la ferme. Ah! Wow, wow, wow. Oh, mince, je suis tombé dans un trou avec un squelette. Ouh, c'est bon, j'ai réussi à le tuer. Et en plus de ça, il m'a donné des nonos. Et bah écoutez, c'est parfait, les amis, parce que tout simplement, il y a un craft où j'ai besoin de la bonne mille. Hop là, on tue les poulets. Oh mon dieu, il y a un village. Regardez-moi ça, il y a un village. Oh, c'est trop cool. Oh, cette aventure s'annonce super bien, les amis. Et bah c'est parfait, regardez-moi ça. On a besoin de énormément de plumes. Et ça tombe bien, il y a plein de poulets par ici. Et bah écoutez, on a besoin aussi de vaches, de nourriture de vaches. Hop là, on a besoin de petites steaks, on a eu du cuir, donc ça c'est vraiment très cool. On a besoin aussi de cuir, hein, clairement. Hop là, et bien c'est parfait, on a eu du cuir encore. Et bien écoutez, on va tuer le troupeau de vaches qui est juste ici. Et hop là, c'est parfait, regardez-moi ça, on a 8 de cuir, on a 14 de steak, donc ça, ça fait vraiment très plaisir. Et puis bah écoutez, hop là, on va juste remonter très rapidement. On va bien évidemment tuer les derniers... Ah ! J'arrive pas à le focus. Les derniers poulets, bien évidemment, regardez-moi ça, il en reste 3. Et voilà, c'est parfait, les poulets sont morts. Et puis bah écoutez, on va aller un petit peu au village, histoire de récupérer un petit peu de fer. Ça pourrait être pas mal en tuant le golem. Et puis bah écoutez, on va récupérer aussi de la nourriture. Comme ça on aura de la nourriture, on n'aura pas besoin de utiliser les steaks. Alors c'est parfait, on va récupérer tout ça, les amis. On va bien évidemment aller tuer le golem. Donc là on s'éloigne un petit peu. On monte sur notre beau petit piédestal. Et puis bah écoutez, bam, bam, bam mon pote. Allez viens, donne-moi ton fer. Et bah c'est parfait, regardez-moi ça, on a récupéré le fer, ça c'est vraiment trop cool. Et puis bah écoutez, là maintenant, il me reste plus qu'à manger parce que regardez-moi ça, ma vie est critique. Alors, avec la pierre qui nous reste, on va faire un beau petit four, on va la placer ici, on va mettre 2, 3 à peu près. Bah non, qu'est-ce que je suis bête? Heureusement que j'ai dit dans la vidéo que j'allais faire du pain pour me nourrir, hein, clairement, hein. Bon bah écoutez, c'est parfait, on a régène avec le pain, et puis bah écoutez, on va récupérer la table de craft, on va récupérer le lit qui est juste à côté, on va aller chercher du charbon, du fer, et puis bah écoutez, on pourra commencer à faire les crafts, les amis, ça va être juste incroyable. D'ailleurs les amis, restez bien jusqu'au bout de la vidéo, parce que vous n'êtes pas prêts des sprints, ils sont juste, juste cheatés de ouf, et vous n'allez pas en revenir vous-même de ces sprints, donc restez bien jusqu'au bout, vous allez voir, ça va être une tuerie. Ok, c'est parfait, on vient de trouver une petite grotte, on va prendre du charbon, voilà, pour pouvoir tout faire chauffer dans les fours. On va récupérer un petit peu de cuivre, voilà, parfait, comme ceci, parce qu'il nous en faut aussi. Il nous faut vraiment énormément d'items, les amis, donc là, je prends tout ce que je peux. Et puis, bah écoutez, on va récupérer du fer, bien évidemment, hop là, voilà, c'est parfait. Oh là 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 là, le filon, oh mon dieu! Non mais les amis, le filon ne s'arrête jamais, regardez-moi ça, il est gigantesque! Oh mon dieu, est-ce que vous avez déjà vu un filon aussi long de fer? C'est incroyable. C'est incroyable ce qui est en train de se passer, regardez-moi ça. Oh, il y en a de partout, en plus de ça, c'est mélangé avec du cuivre. Oh là 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 là. Bah écoutez, on va tout récupérer, hein, même le cuivre. Hein. Clairement, on a besoin, je crois, à un moment donné, d'un bloc de cuivre. Donc il nous faut quand même pas mal de cuivre, pas mal de fer. Donc on va tout prendre, hein. Clairement, on va tout prendre. Eh bah écoutez les amis, c'est bon, c'est parfait, j'ai farm tout ce qu'il y avait dans cette grotte, c'est-à-dire le fer, le cuivre, le charbon, la totalité quoi les amis. Et puis bah là, écoutez, on va retourner au village, on va dormir pépouze. Oh là là, il y a trop de mobs, il y a trop de mobs. Allez, dites-moi qu'il n'y a pas de mobs juste à côté de cette maison. Hop là, dégage, dégage, j'ai envie de dormir. Wouh, c'est bon.
Eh bien écoutez, c'est parfait. What? Pourquoi j'ai le chat? Voilà, c'est parfait. Eh bien écoutez, c'est parfait. On vient de dormir les amis. Et puis bah écoutez, on va prendre notre table de craft. Et j'ai pas pris de pierre. Eh ben génial. Allez, on y retourne pour aller chercher de la pierre les amis. Le seul élément qu'il me fallait, qui m'en fallait quand même pas mal pour faire pas mal de four. Et là je crois que c'est bon les amis, on a assez de pierres. Et bah écoutez, on y retourne, let's go. Et puis bah écoutez, on va craft ces sprints. Allez c'est bon, c'est parti, on va pouvoir au moins faire deux crafts de sprint. Je vous ai dit que les sprints étaient assez compliqués, donc d'ailleurs pendant cette vidéo on va voir que ça, hein, que les sprints, on va pas aller tuer l'Under Dragon ou quoi que ce soit. Là on veut juste voir les sprints custom. Et bah écoutez, c'est parfait, on a tout posé, on a déjà un beau petit four, on va en faire deux. Et voilà, c'est parfait, donc là on les a posés à la chaîne, on va juste les diviser tous les charbons, voilà. Et puis bah écoutez, il reste plus qu'à faire chauffer tour. Et à moi ça j'ai mis du fer, j'ai mis un peu de steak parce qu'il nous faut du steak bien évidemment. Et puis bah écoutez, je vais juste regarder si on peut faire le premier craft en attendant que tout chauffe. Et bah écoutez, c'est parti, on peut faire le premier craft de sprint. On va le tester tout de suite les amis. Oh là là, j'ai trop hâte, j'ai beaucoup trop hâte. Donc il nous faut des bottes en fer, deux bottes en cuir. Voilà, comme ceci, on en avait pile poil assez, parfait. Et puis bah écoutez, regardez-moi ça, on place ça comme ça. On met des plumes bien évidemment en haut et en bas. Et regardez-moi ça, c'est bon, c'est parfait. On a le craft et boum, sprint increase speed. Oh, votre sprint augmente à chaque fois que je cours. Oh là là, incroyable. Oh, sprint 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, oh là là, oh la dinguerie. Oh la dinguerie, regardez-moi ça, je vais tellement vite. Oh, c'est incroyable, je peux parcourir le monde entier. Regardez-moi ça, ça s'arrête pas. Ça augmente et ça augmente et ça augmente. Regarde-moi ça, XL, je sais même pas ce que c'est XL. Regarde-moi ça. Oh, oh mon dieu. L2, L1. Ah non, c'est parce que là je sprinte plus. Bah génial, on doit être à 99 je pense hein. Je pense que le L c'est 100. Regarde-moi ça, je ne m'arrête jamais. Voilà, c'est génial. Et puis bah écoutez, regarde-moi ça, si j'arrête de sprint, et bah je sprinte quand même encore. Bon alors ça diminue hein, mais je sprinte encore parce que tout simplement, j'ai encore cet élan de ce sprint qui a été augmenté. C'est juste incroyable ce sprint. Oh là là, mettez une note sur 10 les amis sur le premier sprint. Qu'est-ce que vous en pensez? Clairement, moi je le trouve incroyable. Ok, c'est bon les amis, on est retourné au sprint 1. Et là, cette fois-ci, on va faire le deuxième craft. Vous allez voir. Alors, on a besoin de nonos, donc on prend les nonos. Ensuite, on a besoin de tout simplement des bottes. Et allez, let's go, c'est parti, on pose tout ça. Alors, deux steaks, des bottes au centre et de la bonne mine en haut et en bas. Et regarde-moi ça, c'est parfait, regarde-moi ça. Oh là là, sprinting heal you. Oh, oh non, ça me heal. Incroyable, incroyable, regarde-moi ça. Alors là, j'arrive pas à sprinter. Ah bah oui, bah c'est... j'ai plus de nourriture. Ah voilà, regarde-moi ça, là je sprint. Et regarde-moi ça, sprint, healing, sprint, 7, 8, 9. Oh, ça fait la même chose en fin de compte que quand je cours. Ça augmente, donc du coup plus je cours, plus je me heal rapidement. Oh, c'est incroyable ça. Ce sprint est une dinguerie aussi les amis, le healing. Moi je mettrais une note au moins 8 sur 10 à peu près grosso modo, parce que bah, à un moment donné quand ça commence à monter au dessus de 7-8, bah ça sert plus à rien parce qu'on a qu'une seule barre de vie hein, clairement. Ok les amis, je vais me refaire une belle petite pioche en fer. Et puis bah écoutez, let's go, c'est parti. On est obligé de retourner aller chercher du fer parce qu'il nous en faut encore un bon paquet. Il faut qu'on fasse deux épées en fer, des bottes en fer encore, pas mal de choses en fer. Donc allez, let's go, c'est parti. On va je pense s'insérer juste ici. Et bah écoutez, regardez-moi ça, c'est parfait. On vient de trouver du fer encore. Et puis bah écoutez, on va le récupérer hein. Et voilà, c'est parfait, on a récupéré tout le fer. Et bah écoutez, on va en profiter pour récupérer encore un tout petit peu plus de charbon, parce que on en a plus vraiment dans les fours, donc on va récupérer bah, ce qu'on peut. Et bah voilà, c'est parfait les amis, on a récupéré pas mal de charbon, on a récupéré pas mal de choses. On va tuer le pouletos sur le passage, pour avoir encore un tout petit peu plus de plumes. Et il fait nuit encore une fois, oh mon dieu. Oh, comme qui dirait, c'est un peu la dèche les amis, on va aller dormir de ce pas encore une fois. Et bah allez hop, on va prendre la première maison et on dort. Et bah ça y est, c'est bon, on a dormi les amis. Et puis bah écoutez, on va essayer de le tuer lui. Ah, il y a un creeper. Et bah écoutez, contre ce mob, je ne peux pas mourir parce que j'ai sprint déjà 1. Et si j'ai envie de régen, bah je fais ça. Et puis voilà, c'est parfait, regardez-moi ça, là j'ai sprint 5. Et puis regardez, hop, je prends des dégâts. Et bah je me heal instantanément, c'est juste incroyable hein. Et bah voilà, c'est parfait, on l'a tué. Et bah écoutez, on a pas mal de choses, hop, à récupérer déjà dans les fours. Et puis bah écoutez, on a pas mal de choses aussi à faire chauffer encore une fois. Et bah allez, let's go, c'est parti les amis, il est temps de changer de bot tout simplement. Et bah écoutez, hop là, on va se faire, alors, il me faut du bois bien évidemment. Voilà, c'est parfait, donc là on a plein de sticks, on va faire deux épées, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. On va se faire des bottes encore une fois. Et puis bah écoutez, let's go, hein, place à la magie. Alors on place les bottes au centre, si je dis pas de bêtises. J'ai fait 4 blocs de fer, voilà. Et puis bah il reste les épées en fer. Et boum, ça y est, c'est bon, regardez-moi ça, sprint charge. J'ai même pas réussi à lire. Qu'est-ce que ça fait? What?
RAM sprint. Je comprends rien là de ce qui se passe. Je comprends rien. RAM sprint. Qu'est-ce que ça me fait faire? Oh, c'est trop bien, c'est bon. Je viens de comprendre. Oh mon dieu, c'est incroyable. Regarde-moi ça. RAM sprint. Oh là 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 là. Le sprint custom est juste incroyable celui-là. Regarde-moi ça. Je m'approche d'un villageois en courant et boum, je l'envoie dans les nuages. Et regarde-moi ça. Bam, il prend des dommages. Oh, c'est trop bien. C'est juste trop bien. C'est, je suis du coup intouchable. Oh, c'est trop trop bien les amis. Oh là, j'ai eu du mal à comprendre ce mode. Eh ben c'est bon, c'est parfait, on vient de le comprendre les amis. Oh là là, il est incroyable. Ok les amis, regardez-moi ça, je viens de trouver un coffre dans le village et il me fallait des patates. Eh ben c'est parfait, on en a pile poil assez. C'est ce que je cherchais, c'est juste trop cool. Et puis bah écoutez, let's go hein, c'est parti. On peut, bah on ne peut pas faire le prochain craft, malheureusement. Eh ben écoutez, il faut juste tuer des chevaux, des vaches ou un truc comme ça. Bah écoutez, je vais essayer de trouver ça. Eh ben ça y est, c'est bon, c'est parfait, on a trouvé des chevaux. Eh ben écoutez, ça fera largement l'affaire. J'espère que ça donne du cuir aussi. Oui, ça donne du cuir, oh c'est trop bien. Eh ben c'est parfait, encore un petit peu de cuir, on va en tuer encore quelques-uns, parce que là on en a juste 4 et je pense qu'on va avoir encore besoin de cuir dans les prochains crafts. Comme ça on se prémunit. Eh ben écoutez, c'est parfait, je viens de casser mon épée et j'ai tué pas mal de chevaux. Eh ben écoutez, on en a 12, eh ben ça sera largement suffisant. Eh ben écoutez, on... oh c'est trop bien. Oh le sprint de taré, oh le sprint de taré, regarde-moi ça, je l'envoie à Pétaochnok. Eh ben écoutez, c'est parfait, on va récupérer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Eh ben voilà, et puis bah écoutez, hop là, on va faire le prochain craft qui est tout simplement avec des potatoes. Alors, c'est des bottes comme ça, hop là, on les met comme ça, et là on met 4 potatoes, et boum, c'est bon, sprinting, plante full grow potatoes. Oh, c'est trop bien! Oh, regardez-moi ça, ça plante des patates! Oh, c'est incroyable! Je peux faire un champ comme ça. Oh, c'est incroyable, regardez-moi ça, je vais vous créer un champ. Et ben voilà, regardez-moi ça, le beau petit champ. Oh là 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 là, oh c'est incroyable, quand je sprint, il y a des potatoes qui se plantent. Et regardez-moi ça, je peux instantanément les récupérer. Donc là, on en a une ribambelle hein, de potatoes, là clairement. Et ben voilà, c'est bon, c'est parfait, regardez-moi ça, on a un stack entier de potatoes. Et ben écoutez, cette fois-ci les amis, alors hop, je vais juste me faire une belle petite épée en fer, voilà. Et puis ben écoutez, on va retourner encore une fois dans les grottes. Oui, mesdames et messieurs, il me manque encore plein d'items pour faire les prochains sprints. Il en manque plus beaucoup les amis, vous inquiétez pas. Et bah restez bien jusqu'au bout de la vidéo si vous voulez voir tous les sprints, parce qu'ils sont juste incroyables, chacun. Sont juste bah, des tueries quoi, c'est vraiment des tueries, regardez-moi ça, ça, ça plante des potatoes, c'est juste trop bien. Et puis bah écoutez, à chaque fois qu'il y a un sprint, notez-le sur 10 s'il vous plaît. Et à la fin, bah, bien évidemment, je vous demanderai de donner une note générale au mode. Et aussi celui que, qui vous a le plus bah, fait kiffer, voilà. Bah écoutez, c'est parfait, on va descendre, on va aller dans des grottes un peu plus profondes. Ok, donc là, ce qu'on cherche, les amis, tout simplement... Ah! Oh non, bah non, bah non, c'est pas le fight, déjà, hein. Clairement, oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, je suis tombé sans faire exprès. On cherche de l'or, on cherche de la redstone, on cherche du diamant, on cherche pas mal de choses. Eh bah écoutez, regardez-moi ça, c'est parfait, il y a de la redstone, donc là, je suis vraiment ultra heureux. Ok, c'est parfait, on en a récupéré pas mal, et puis bah écoutez, regardez-moi ça, il y a une armada de zombies derrière moi. Oh, au secours, me fait tirer dessus, on va récupérer l'or, bien évidemment. Voilà, parfait, l'or s'est récupéré, on va récupérer l'or qui est là-bas aussi. Oh, what? Mais il y a trop de mobs. C'est quoi cette nouvelle version? Je sais même pas ce que c'est ces nouveaux mobs là, dead jogger là, et je sais pas quoi là. Mon dieu, il y avait pas déjà assez de mobs qu'ils se sont dit, bah allez, on va en rajouter encore, hein. Ok, c'est bon, j'ai réussi à me sortir du pétrin, et là, oh, mais que vois-je, plein d'or. Encore de l'or. Oh, il y a de l'or partout, regardez-moi ça, c'est juste incroyable. Alors, on va récupérer cet or aussi. On va bien évidemment récupérer l'or d'ici aussi. Oh mon dieu, ça y est, c'est bon, regardez-moi ça, on vient de trouver du diamant. Eh ben écoutez, on va sans plus tarder essayer de le récupérer. Alors hop, on va descendre et on va remonter tranquillement comme ça pour aller le récupérer. Et ça y est, c'est bon, c'est parti, on va le récupérer. Oh mon dieu, oh là là, oh what, c'est quoi tous ces diamants? Oh, c'est incroyable. Oh, le filon est énorme, les amis. Ok, on va essayer de pas le perdre, celui-là, ça serait dommage de le perdre. Hop là, on va le prendre. Et puis bah écoutez, on en a combien? On en a 9. What? Bah écoutez, on va se pavaner encore une fois les amis, en essayant de bah, de trouver encore un petit peu de diamant, ça serait pas mal. Oh, et bah ça y est, c'est bon, c'est parfait les amis, on vient de retrouver du diamant. Bam, bam, allez viens par ici toi déjà. Prends tarif mon pote. Et puis bah écoutez, hop là, on va récupérer. Oh là là, c'est encore un filon. Oh là là, le filon est incroyable encore.
Et ben voilà, c'est parfait. Et ben écoutez les amis, on a bien farm ici. Regardez-moi ça, on a 15 de diamants. On a un stack et demi de fer. Enfin, de fer, de gold. Donc ça c'est pas mal, on a pas mal de redstone. Et puis bah écoutez, je pense qu'on est pas mal pour craft les prochains sprints. Bah écoutez, bah je pense qu'on va remonter à la surface. Je vais peut-être essayer de voir si je peux pas trouver encore un ou deux diamants, ça pourrait être pas mal. Et puis bah écoutez, je remonte dès que je les ai. Ok les amis, allez, c'est parfait, c'est bon, je viens de trouver encore un petit peu plus de diamants. Et là, je remonte à la surface pour retourner au village et crafter tout ça, les autres sprints qui nous manquent. Vous allez voir, ça va être juste incroyable. On est bientôt sur la fin des sprints les amis, parce que là il nous en reste encore 3 à craft. Et je crois qu'on a le nécessaire pour les crafts. Ok c'est bon, c'est parfait, on est de retour à la casbah. Et bah écoutez, on va mettre tout ça à chauffer, voilà. On va même tout diviser. Et puis bah écoutez, il y en a bien un là qui me tente de faire de sprint. On va le tester ensemble. Alors il nous faut des sticks, il nous faut des bottes en fer, voilà. Et puis bah écoutez, let's go, on va le tenter. Hop là, donc il faut mettre des diamants comme ça et comme ça. Et boum, c'est bon, c'est parfait. Sprinting mind block around you. Non, non, regardez-moi ça. Ça a tout farm. Non, ça a cassé mes fours. Oh non, oh non, je suis trop deg. Attendez, on remet tout ça et on va aller voir si ça farm la totalité juste à côté de moi. Oh là 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 là, la dinguerie les amis. C'est juste incroyable. Bah écoutez, je vais essayer de pas courir à côté, ça serait dommage. Puis bah écoutez, hop là et... Allez, let's go, c'est parti. On mine tout. Oh là là, regardez-moi ça, ça casse tous les blocs. C'est incroyable. Oh, c'est incroyable, regardez-moi ça, ça mine tout. Oh, oh là 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 là. Oh bah c'est le meilleur sprint. C'est le meilleur sprint au monde, regardez-moi ça. Ça casse tout. Alors attendez, est-ce que je vais pouvoir faire un trou dans la falaise? Oh, oh là là, incroyable. Incroyable, regardez-moi ça, les trous que je fais. Ah! Et aussi comment je tombe dans le vide. Oh, regardez-moi ça. Non mais c'est pas legit, hein. C'est pas legit ce sprint. Regardez-moi ça, tout ce que j'ai laissé derrière moi. Oh là 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 là. Alors attendez, on va retourner au niveau du village. Eh bien écoutez, regardez-moi ça, la galerie que j'ai creusée. Ça me fait un peu penser comme la pioche où, que j'avais faite où, ça minait un chunk entier. Et ben là c'est la même chose mais sans pioche, juste en courant. Et ben c'est bon, c'est parfait, on est ressorti. Regardez-moi ça, on a fait un beau cratère dans la falaise, dans la montagne même. C'est plus une montagne qu'autre chose. Et puis voilà, ben regardez-moi ça, j'ai même pas besoin de monter hein. C'est eux qui montent. Oh bah ben même dans l'eau. Regardez-moi ça, même dans l'eau je peux farm. Incroyable, regarde-moi ça. Oh là 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 là. Non, 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 mais là, c'est le bordel. C'est le bordel, faut que j'arrête de courir. Parce que là, j'arrive même plus à rejoindre nos fours. Ok, donc là, on va se calmer. On va arrêter de courir. Voilà, c'est parfait. Et puis, bah écoutez, on va reposer. Oh là là, quand je vois mon inventaire, c'est une horreur. Alors, on va récupérer tout le fer. Enfin, tout le fer. Pourquoi je dis tout le fer? C'est tout le gold. Voilà, parfait. Et puis, bah écoutez, il reste... Hop là, ce sprint à faire, ou tout simplement, il faut que je fasse 8 blocs de gold. Hop là, je les place comme ça, je mets ça comme ça, et là, boum, sprinting turn block to the gold. Non, ça fait des blocs en gold, regarde-moi ça. Oh là là, c'est incroyable. Regarde-moi ça. Non, mais c'est pas legit ça aussi comme sprint. Regardez. Oh là 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 là, incroyable. Incroyable les amis. Ok les amis, il nous en manque un dernier. Hop là, que je vais faire bien évidemment. Hop là. Ensuite, il nous faut un bloc de redstone. Voilà, ça c'est fait aussi. Et là, je suis allé récupérer du silex et du sable que j'ai détruit tout à l'heure avec le mining sprint. Et puis, bah écoutez, il me faut un bloc... Ah, c'est pas comme ça? Attendez. Ah, c'est comme ça, voilà. Il me faut un bloc comme ça de sandstone. Et puis, bah écoutez, let's go, c'est parti, que la magie opère. Et boum, ça y est, sprinting fire power laser. Oh, ça envoie un laser. Oh, c'est trop bien. Et regardez-moi ça. Oh, j'ai one-shot. J'ai one-shot le golem. Aïe, aïe. What? Oh, regardez-moi ça. Je suis en train de le one-shot. Oh mon dieu, je lance des lasers, les amis. Oh, ça, ça serait tellement kiffant contre l'Under Dragon si ça marchait. Eh ben écoutez, les amis, on a fait le tour de tous les sprints. Eh ben écoutez, les amis, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ces sprints-là. Mettez-moi tout simplement une note sur 10 générale pour tout. Voilà. Puis moi, en attendant, je vais le tuer. Mais il est résistant, hein. Oh mon dieu, beaucoup plus résistant qu'un golem, hein. Donc qu'est-ce que je disais, une note sur 10 les amis pour savoir si le mode était bien. Dites-moi aussi ce que vous avez préféré comme sprint entre tous. Donc il y avait le sprint qui minait, il y avait le sprint qui faisait pousser des potatoes, celui où je courais super vite, celui qui tire des lasers là en ce moment même. Et on avait aussi, qu'est-ce qu'on avait d'autre?
le healing, celui qui me permettait de me régénérer. Voilà, enfin franchement il y avait pas mal de choses. Et bien écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Je vous rappelle l'objectif 100 000 abonnés avant le début de l'été, donc ça veut dire début juin. Donc je veux une pluie d'abonnements. Allez let's go, c'est parti les amis. N'hésitez pas aussi à tout simplement activer la cloche pour être au courant de toutes mes dernières vidéos. Et n'hésitez pas aussi à lâcher votre meilleur pouce bleu et meilleur commentaire. Et merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, parce que c'était la meilleure façon de soutenir ma chaîne. Et moi sinon sur ce je vous dis ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.